Sur quelle gamme se baser pour construire nos improvisations, ça dépend de plusieurs critères et c'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bon visionnage ! Tout d'abord, il faut savoir que l'on ne peut pas utiliser n'importe quelle gamme dans n'importe quel style musical. En effet, certaines gammes vont plus être appropriées à être jouées dans un style plus blues ou jazz, mais vous allez être totalement à côté de la plaque si jamais vous essayez de les jouer dans un style plus rock, voire même metal. Ça dépend également de la tonalité et plus précisément de la grille d'accords. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur les 10 gammes qu'il était possible d'utiliser sur un accord mineur. Aujourd'hui, on va voir les 10 gammes qu'il est possible d'utiliser sur un accord majeur en se basant sur un accord de Do majeur. Comme d'habitude, j'ai classé ces gammes par ordre de difficulté, de la plus facile à la plus compliquée, et mon petit conseil pour votre séance de travail, c'est de télécharger les tablatures et le backing track qui sont en lien dans la description de la vidéo. Vous ouvrez le backing track, vous prenez au hasard une des gammes, et vous expérimentez pour étudier les différentes sonorités. Et enfin, petit disclaimer avant de commencer, il va de soi qu'il faudra expérimenter ces gammes sur un accord qui dure assez longtemps. En effet, s'il ne dure qu'un seul temps, vous n'aurez pas le temps de développer des idées. Commençons donc avec la première gamme que l'on apprend en général lorsqu'on veut improviser sur un accord majeur, c'est la gamme pentatonique majeure. Un accord majeur, c'est un ensemble de trois notes qui est composé d'une fondamentale, en l'occurrence ici Do, d'une tierce majeure Mi, et d'une quinte juste Sol. La gamme pentatonique majeure s'applique donc parfaitement à ce cas, car en effet, dans les intervalles que vous jouez dans cette gamme, nous avons tonique Do, seconde majeure Ré, tierce majeure Mi, quinte juste Sol, sixte majeure La, et ensuite vous retombez sur l'octave le Do. La gamme pentatonique majeure, vous pouvez également la considérer comme une version un peu réduite de la gamme majeure, car en effet, la gamme penta n'a que 5 notes alors que la gamme majeure en a 7. La voici. Cette gamme, par rapport à la penta majeure, a été enrichie de 2 notes. Nous avons rajouté le Fa qui est la quarte juste, ainsi que la 7e majeure, le Si. Après, vous pourrez également enrichir votre accord de Do majeur en rajoutant un 4e son, par exemple la 7e, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir jouer cette gamme sur un Do majeur 7, ou un Do majeur 9, ou encore même un Do majeur 11, ou encore, enfin, un Do majeur 13. Tout à l'heure, j'ai mentionné la gamme pentatonique majeure, mais saviez-vous que sur un accord majeur, il est parfois possible d'utiliser également la gamme pentatonique mineure, en l'occurrence lors d'un blues. Alors comme je le disais tout à l'heure, essayez plutôt d'utiliser cette gamme dans un contexte blues, car en effet, dans les musiques blues, nous pouvons jouer sur l'ambiguïté entre la tierce mineure de la gamme mineure et la tierce majeure. Dans cette gamme, vous retrouverez Do la tonique, tierce mineure avec Mi bémol, quarte juste Fa, quinte juste Sol, 7e mineure avec Si bémol, et vous retrouverez le Do. Pour cette prochaine gamme, nous allons entrer dans un système modal et je vais notamment vous parler du mode dorien qu'il est possible également d'utiliser sur un accord majeur, mais encore une fois, lors d'un blues, grâce à une petite spécificité, je vous explique ça. Le mode dorien dans un style blues est possible car il fait le lien entre la penta majeure et la penta mineure. Vous retrouverez le schéma de la penta mineure dans cette gamme. Mais vous pourrez également trouver la seconde majeure, le Ré, présente dans la penta majeure, ainsi que la sixte majeure, le La. Restons encore dans les modes de la gamme majeure, avec cette fois-ci le mode mixolydien.
Le mode mixolydien ressemble en tout point à la gamme majeure que l'on a vue tout à l'heure, à l'exception d'une note qui va faire toute la différence, qui est la septième, qui était ainsi la septième majeure, qui bascule d'un demi-ton en dessous en une septième mineure, le si bémol. Ce qui signifie qu'en plus d'un accord de Do majeur, sur laquelle elle est efficace, vous pouvez également l'enrichir avec la septième, mais uniquement en Do 7. Ou alors les plus connaisseurs d'entre vous pourront également rajouter un cinquième son, par exemple un Do 9, un Do 11, ou un Do 13. Et dans le système majeur, il y a encore un mode majeur qui est le mode lydien. Afin d'apprendre facilement ce mode, dites-vous encore une fois qu'il s'agit de la gamme majeure que l'on a vue tout à l'heure, à l'exception de la carte le Fa, que nous avons basculé dans le mode lydien, en une carte dièse, donc le Fa dièse. Ce qui nous donne une nouvelle sorte de gamme qu'il est possible d'utiliser sur un Do majeur, ou alors à 4 sons avec un Do majeur 7, ou alors à 5 sons avec un Do majeur 9, un Do majeur dièse 11 du coup, la note caractéristique du mode lydien, ou alors enfin un Do majeur 13. Ça va, vous tenez le coup jusqu'ici? Très bien, alors continuons cette fois-ci avec les modes de la gamme mineure harmonique et je vais notamment vous parler du mode phrygien majeur. Pour ceux qui sont déjà à l'aise avec le mode phrygien issu du système majeur, il s'agit ici de la même chose, à l'exception donc de la tierce, qui bascule d'une tierce mineure, en le mi bémol, en une tierce majeure, le mi. Le mode phrygien est à la base un mode mineur, mais étant donné que nous avons ici une tierce majeure, nous pouvons l'employer sur un accord majeur. Nous retrouvons en effet le Do, le Mi, le Sol. Dans les enrichissements possibles du Do majeur, vous retrouverez un Do 7, ou un Do 7 bémol 9 étant donné qu'il y a une seconde mineure, un Do 11, ou alors un Do bémol 13. Et toujours dans le système mineur harmonique, vous avez également un mode assez intéressant qui s'appelle le mode lydien dièse 9. Souvenez-vous tout à l'heure lorsque l'on a mentionné le mode lydien. Et bien ici, il s'agit d'exactement le même mode, mais il y a une petite subtilité. En effet, c'est la seconde qui était majeure, mais cette fois-ci, nous allons l'augmenter. Nous allons donc, dans un certain sens, dans ce mode, nous retrouver sans seconde, mais avec deux tierces. Parlons encore une fois des enrichissements possibles de votre accord de Do majeur. Vous pourrez ici jouer un Do majeur 7, un Do majeur dièse 11, ou alors un Do majeur 13. Avant-dernière gamme de cette vidéo, cette fois-ci, on va commencer à toucher les plus expérimentés d'entre vous. Nous entrons dans les modes de la gamme mineure mélodique et je vais d'abord vous parler du mode Bartok, que certains appellent soit le mode lydien bémol 7 ou encore mixolydien dièse 4, ça dépend des cas. Pour pouvoir comprendre ce mode assez facilement, vous pouvez raisonner de deux façons, en pensant qu'il s'agit du mode lydien dans lequel nous avons abaissé la septième en une septième mineure, ou alors en vous disant qu'il s'agit du mode mixolydien dans lequel nous avons augmenté la carte. C'est un mode qui peut se jouer sur un Do majeur, ou alors un Do 7, un Do 9, un Do dièse 11, ou encore un Do 13. Et dernière gamme de cette vidéo, et encore un mode de la gamme mineure mélodique avec cette fois-ci le mode mixolydien bémol 6.
Si vous voulez assimiler plus facilement ce mode, dites-vous encore une fois qu'il s'agit du mode mixolydien dans lequel nous avons diminué la sixte majeure qui devient donc une sixte mineure. Et au-delà d'un Do majeur, vous pourrez jouer ce mode sur un accord 7, un accord 9, un accord 11 ou un accord bémol 13. Et voilà pour ces 10 gammes qu'il est possible d'utiliser sur un accord majeur, j'espère que votre cerveau ne surchauffe pas trop. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de soutenir mon travail en laissant un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on pourra dialoguer ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos car je sortirai un nouveau tuto sur cette chaîne tous les dimanches soirs à 18h. En attendant, portez-vous bien, bonne gratte à tous et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours. Salut !